Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro. On est avec la team de Zéro et on continue directement et juste avec cette magnifique musique de Thomas. Mais qu'est-ce que je fais sur Thomas? Et vous allez me dire, vous l'avez vu, la dernière fois on avait fait les stuff niveau 100+. Voilà, j'étais allé jusqu'à niveau 114 max au niveau des stuff, donc avec les items AA, notamment pour Monsieur le Sacri qui est ici, qu'on voit pas parce que je suis en truc créature. Mais attendez, je vais mettre comme ça, voilà, comme ça on le verra directement. Et vous voyez qu'en plus j'ai un petit chien. Donc je vais revenir sur un peu tout ce que j'ai fait. Je vous l'avais dit en fin d'épisode précédent, on avait tous les stuff, c'était très cool, mais il nous manquait encore du niveau. C'est pour ça que je vous ai parlé là du niveau 114. Il nous faut, voilà, sur les persos haut et terre, le niveau 114 pour les différents items. C'est surtout la coiffe et la cape qui vont chercher niveau 114. Sinon, on peut déjà équiper à partir du niveau 110 la mue par exemple. 110, on a aussi les bottes, on a la ceinture 111. Et puis voilà, coiffe, cap, c'est niveau 114 et il nous le faudrait vraiment sur le sacri. Du coup, les gars, le sacri, vous le savez, il est toujours en retard niveau XP parce que bah il est full vita et il a pas de point de sagesse et donc la sagesse qu'il a, c'est uniquement ses stuff. Donc ce qu'on a fait en live, alors je vais déjà revenir sur ce qu'on a fait pour commencer après l'épisode précédent en stream. Eh bien, on s'est fait le plaisir de faire les gros donjons qu'on a commencé déjà fin d'un fois, comme le Rasboul. On s'est fait un Rasboul, c'était très cool, ça a permis de faire d'XP. Et puis après ce petit Rasboul, on s'est dit, est-ce qu'on tenterait pas le Tinryl? Parce que le Tinryl, j'en parle déjà souvent là, mais genre avec notre team full élément, bah ça va être un régal pour la suite de notre aventure. C'est un donjon qu'on risque de spammer pas mal pour l'XP. Aussi pour le drop, mine de rien, parce que pendant le donjon, on a quoi qui est intéressant? On a Fécorce, les écorces de Fécorce qui coûtent assez cher. On a tous les mobs hein, qui donnent des trucs un petit peu intéressants et surtout un petit peu coûteux. Donc écoutez, ce qu'on s'est dit, c'est vas-y, go tester. Il y en a pas mal qui y croyaient moyen. Moi, j'étais en mode ça devrait le faire, au moins au niveau du boss. Par contre, est-ce qu'on passera les salles? Petit doute sur ça. Donc écoutez, on y allait, je vous montre quelques images. Et puis on a finalement, voilà, géré tranquillement cet Tinryl. Beaucoup d'XP avec un tial totalement fric et contamination. Alors, il a fallu tuer ceux qui se sont fait toucher, mais bon, c'est quand même assez cool. Et puis après, d'ailleurs, un petit peu plus tard, ce live-là, on en a refait un pour continuer cet XP. Et on a commencé par faire un Dofus Kawot. Voilà, Dofus Kawot, que je... Voilà, c'était la petite surprise, j'en avais parlé. Je voulais refaire une vague de Kawot pour améliorer les jets qu'on avait sur la team. Et donc... Bah, je vous laisse découvrir un petit peu, encore une fois, cette magnifique séance. Magnifique, est-ce que je spoil en disant magnifique ou est-ce que c'est ironique? Je sais pas, je vous laisse voir. Je crois en moi aussi. Allez, c'est parti les amis, depuis 50 ans, on y croit, Soko. Allez, je commence, premier, c'est bon, la prédit est finie. On est sur du combien du coup, rapidement? Putain, le suspense que je mets pour un truc nul. 77. Ok, bah vas-y, good luck. 41 le premier, ok, vas-y. Merci Shin. Allez, c'est parti. Oh, Paclou, Paclou, t'es un boss. Mais qui est quoi? Il a dit 41. Bah, c'est cool. Paclou, Paclou, gros. Excuse-nous. Pas le deuxième Paclou. Quoi? Ok. Ça commence bien. Mais genre, il a dit ça, il a dit au calme. 41, let's go. 48 le mec, je suis chaud. 33 le deuxième. Vas-y, commencez à faire vos paris là, Corrigal. Moi, je vais voir le pari de Paclou là. C'est scripté. Vas-y, pas Claudien, 50, ouais, il a raison, la CEP. 34, la deuxième. Oh, mec, si c'est ça, c'est trop drôle. Hein. 15. Aïe. Aïe, elle a prédit. Aïe, elle a prédit. Là, il en faut pas un autre comme ça, sinon la prédit, elle est finito. Hein. Là, on est en dessous de la moyenne. Pour l'instant, on est en dessous des 35. Avec ces deux-là. Ok. Troisième, les gars. Passez au troisième. Passez au pari du troisième. Et 8. Non. Là, ça va être un gros. Ouais, moi, Réa, je vois bien le 50, là, les gars. Là je spoil les 50 ou 48, peut-être. 47. Let's go. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que là, on est pas repassé au-dessus du 35 de moyenne, là? C'est par 3. 34.3. Oh, pour l'instant, on y est pas. Ok, il faut plus que 35, là, encore. Allez. Prochain, c'est plus 21. Ah, ok. 39. On est encore au-dessus, pas mal. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Franchement, ouais, c'est pas mal. Allez, Lilito avec les amis. C'est le cinquième. 35,5 de moyenne. Allez. Ce serait marrant qu'on soit juste à 35 ou 34,9 ou 35,1 à la fin. C'est 20. Allez, les gars, allez. Ok, 28. Prochain jeu. Oh, j'aimerais bien avoir un 50. Ok, on passe en dessous. Allez. Il en reste 3. Monsieur le Sacri. Aïe. Eti, petit point moyenne. Là, il t'en reste combien à faire? 2. 32.8. Le suspense me tue. 32.8? Ouais, il faut vraiment des 45 plus. Ok, là, les gars, c'est pas fini.
coûte combien? On m'a dit... combien t'as dit 11, je pense qu'elle a dit 11, 12. 11 000, non, 5, 6, non 15, non, 10 j'ai... Ah oui, oui, ok, oui. 15, même le 50, 10, les gars. 15, 15. Eh ben les amis, je vous annonce que je viens de gagner 15 millions. Non, dommage. Oh, ça va, c'est au-dessus. Ça push un peu. Pas assez, je pense. Vraiment un 40 ok, plus, c'est là que ça joue. Vas-y, combien là? Combien de moyenne? C'est jouable là, je pense, c'est 35. 33,4, les gars. Est-ce que sur ce dernier, est-ce qu'on terminerait pas sur un 50 pour valider? Oui, sur la prédit, les gars. Le 35 de moyenne. 29, 49, 50, les gars. S'il vous plaît, terminons sur un 50. Terminons sur un 50. Puis 6, arrêtez. La prédit qui est validée! Let's go! Attends, plus 48, 48! Oh là là! Divisé par 8? 48. Et vous l'avez dit en plus que ça partait ça, 50. Ça fait. Vous voulez savoir c'est quoi la moyenne? 35-25? Ouais, 35, ils disent, 25. Oh là là, les gars, c'était ce qu'il fallait, genre sinon ça passait pas. Oh, insane! Voilà tout, donc c'était vraiment cool. Des beaux Dofuscott maintenant sur toute la team avec du 36 minimum, donc très 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 bien. Et en particulier sur Monsieur le Sacré, voilà, on lui a donné le plus beau, le meilleur Dofuscott qu'on a eu, c'est un plus 48 pour avoir un maximum de sagesse. Vous avez vu du coup au niveau du stuff, j'en parle maintenant, mais on a apporté quelques modifs sur le stuff du Sacré pour l'XP. Si je suis ici, c'est parce qu'on a testé un petit peu d'XP en solo le Sacré sur l'île d'Otomai. On a testé dans un premier temps de se faire un petit peu de donjon bouche. Je me suis dit pourquoi pas split OBR pour ensuite avoir masse de capture et les taper avec le sacré en solo. C'était pas ouf, alors ça m'a permis de gratter quelques ressources que j'ai d'ailleurs sur tout le monde. Là je suis sur le sacré, mais la team est là, on va aller faire des choses avec juste après. Voilà, donc j'ai quelques ressources bouffe tout. Ça servira pour le up des métiers. On va commencer à s'en faire en commençant justement par bijoutier qui est le plus simple. Mais oui, j'aimerais vraiment, ça sera un objectif qu'on aura assez vite, bah monter les métiers. C'est pas le plus agréable, mais voilà, il va falloir passer par ça. Du coup, après, voilà, comme je vous ai dit, c'est des gibouf. On a tenté un petit peu l'île d'Otomai et bah, c'est vraiment génial. Je suis allé du côté des plaines herbeuses et en fait, je tape des petits groupes de 1 ou 2 mobs, même 2 ou 3 mobs. Voilà, parce que là, bah, les mobs sont genre 80 à 100 environ, 70 à 100. Donc il me faut quand même 2... Un mob, ça peut être limite. Donc, des groupes de 2, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a les crackleurs qui sont un peu plus bas niveau. Faut juste que j'évite les équilibristes. Par exemple, ça, un Kido, double Kido, Bitouf, c'est bien. Je vais essayer de vous montrer un petit combat rapide. Double crackler, Bitouf. Là, ça, c'est parfait. Regardez, ça, c'est un combat. Les mobs viennent au cac, ils vous tapent. Vous régénérez avec ce magnifique sort qui est dissolution. Et c'est trop bien en fait. C'est giga agréable. L'XP est très très cool pour un temps assez fast. Et là, vous voyez, le sacré est actuellement niveau 106. Je vous montre rapidement où on en est au niveau des niveaux de la team. Justement. Tac, tac, tac. Hop. Donc, les voici. Les petits persos, ils sont tous là. Donc, on a l'Eka qui est le plus haut avec le Kra. Le crabe là qui est niveau 108. Et puis ensuite, voilà, on a tout le monde qui est à peu près au même niveau. Le sacré, voilà, il était 101 avant que je commence ce farm là. Donc autant vous dire que ça a bien bien avancé. Et que là, bah, je vais pouvoir reprendre le jeu en team. Là, je vous montre rapidement. Là, on l'a fait en live, c'est très très cool à faire. Voilà, c'est chill. Ça fait plaisir de jouer un petit peu en monocompte. Et en particulier avec une classe comme le sacré que j'ai pas vraiment joué sur rétro depuis au moins 2 ans. Là, avec les serveurs là qui ont ouvert multi, Hogmazer à l'époque. Donc oui, voilà, regardez le régal. C'est giga chill à farm, comme je l'ai déjà dit 20 fois, et vous allez voir aussi au niveau d'XP, on va essayer de se le faire 2 pour le prix, non, ça coûte pas grand chose, juste d'être un petit peu patient. Là, je pense que je tue les 2, 150, je les mets, voilà, 240, regardez les dégâts, hein, ça monte très très vite. En plus, il y a des faiblesses hautes sur à peu près tous les mobs, et derrière, voilà, 150 000 en une minute, c'est vraiment bien. Donc, ça, je l'ai spammé un bon petit moment pour être honnête. Vous voyez, donc, je commençais à parler du stuff. J'ai pris ici la cape du presse-pic de l'Eka, je vais lui rendre, du coup, voilà, la cape cocu, je vais la remettre, mais voilà, sinon, j'avais aussi acheté un petit chien, ça c'était combien, 105, 200, je sais plus combien, 200, 300 000, 100 000, je sais plus, bref. C'était vraiment pas cher pour un sagesse, c'est assez worth. J'ai enlevé même son gelano pour mettre une alliance silly qui me reste en banque. J'ai acheté un bâton ton tata. Donc le tout me permet de monter à, voilà, là j'avais 270 de sagesse, hein. De sagesse. Voilà, 275, c'est bien pour XP. Avec toujours la base Blop Royal en attendant d'avoir notre petite panneau AA en entière. Voilà. Du coup, je vous en ai parlé juste avant. On a commencé à faire du Tin Reel et j'ai envie de repartir sur ça. On l'a géré sans problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner au Tin Reel. Je vais en faire un tranquille. Enfin, je vais avancer le donjon tranquillement de mon côté. On se retrouvera au boss pour découvrir un petit peu l'XP, voir un petit peu une partie gameplay. Même si, on l'a fait en live, mais je vais vous le remontrer. C'est très agréable. Donc, écoutez, direction le Tin Reel avec toute la team.
à tout de suite. Et au passage, on va faire d'XE là, mais le but final de cette vidéo, c'est d'avoir nos stuff et d'aller chercher les Dofuscalyptus. Donc voilà, c'est pour ça que l'épisode va prendre un peu de temps à sortir. Je pense qu'il sera un peu... Si vous avez attendu un petit peu pour cet épisode, c'est normal, il y a beaucoup de farm à faire. Mais j'espère que ça va en valoir le coup avec l'Eucalyptus à la fin. Voilà. Bon, j'y suis au Tinryl, j'ai mis sur les nus Lenny, la pierre niveau 500 pour capturer, et donc on va pouvoir se lancer. Regardez, un petit truc très sympa, c'est que le groupe est niveau 890, et on est toujours très proche, 854. On va y rester assez près, au niveau 120 encore, on sera très bien. Donc voilà, je verrai jusqu'à où je pourrai le farmer, mais comme j'ai dit, je pense que je vais pouvoir le farmer un certain temps quand même. Donc écoutez, on est parti, on va prier très fort pour qu'il y ait les bons tchals. Il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi, c'est les bons placements, très important, parce que notamment les persos qui jouent un peu en retard, il faut qu'ils puissent être safe quoi. Donc voilà, genre le Kra, il est super important. Je vais mettre ici les cas, je vais mettre le crap assez près ici. Ossa, l'Ossa, il ne faut pas qu'il meure, il est précieux de ouf. L'Ossa, on va le mettre là, et peut-être plus là-haut les cas. Ok. Ah non les gars, on n'a pas de chat, je suis dégoûté, dommage. On avait un magnifique compta la dernière fois. Là, borné, main propre, c'est non, hein. Ça va pas être possible du tout. Donc, rip, je suis déçu. Ouais, je suis déçu, c'est possible. Qu'est-ce que je peux faire de beau? Je pense que, limite, un truc qui pourrait être bien à faire, c'est envoyer un Wasta pour leur dire, écoutez, vous êtes gênés les gars. Pas du tout, hein, peut-être, mais si, en vrai, peut-être bien. Si jamais ça peut les embêter. Donc là, j'ai juste à pas rater mon T1, à faire les bons placements. J'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Parce que là, vous voyez, regardez, directement, en fait, il me chope. Et là, en fait, lui, là, il va directement pouvoir choper 3 mecs là-bas. Donc en fait, il faudrait que limite, Lenny, en fait, il soit là-bas. J'ai pas la bonne initiative. Faudrait vraiment que ce soit le Kra qui joue en deuxième ou en premier. On va tenter, c'est lui qui joue en deuxième, de lui râler 2 PM. Ça va être très compliqué. Mais là, ouais, je crois que je vais perdre l'Ossa encore. C'est terrible, hein. Oh, le combat avait égal. 2 PM, let's go. Oh, ça m'a sauvé, les gars. Oh, le sauvetage. Parce que lui, du coup, il a 3 PM et je vais pouvoir un tir avec le Yop. Je vais pouvoir faire un sauvetage avec le Yop, les gars. Oh, magnifique. Ouais. Oh, le sauvetage. Insane. Parfait. Allez, hop, on va rapatrier tout ça. Je vais mettre un peu d'eau, on s'en fout. On va s'enlever un max. Ok, donc là, voilà, je vais mettre tranquillement au milieu. Et puis, vous connaissez le tinerie, hein, ça va bien se passer. Avec la team, cette fois-ci, j'aurai l'Ossa en plus pour taper feu. Et là, il y a lui là-bas. On va... Attendez, j'ai la pelle maintenant, j'ai la pelle. Hop, on va pour mettre la pelle, let's go. Tac. Et on va se barrer. Est-ce que je peux lui mettre un truc en plus? Non, on va mettre sur lui. Voilà, et les nus pour mettre des petites maladresses comme ça pour éviter de trop se faire attaquer. Voilà, donc là, écoutez, je suis parti pour gérer tranquillou. On se retrouve à la fin pour l'XP, même si, voilà, je suis très déçu, comme je l'ai dit, parce qu'on n'aura sûrement pas de très bonne XP. On a fait 4 millions avec plus de 100%, donc là, on devrait avoir une base de, normalement, environ, je dirais, 2 millions. Ce qui n'est pas dégueu, on aura la capture encore, donc voilà. Ok les gars, j'arrive au bout du Tinryl, voilà, donc j'ai pris mon temps, hein. J'ai vachement pris mon temps, et surtout, en fait, il y a un problème, c'est que au niveau des dégâts hauts, j'ai le Kra qui s'occupe de Ral PM tout le long du combat, donc il ne fait aucun dégât sur le Tinryl haut, et puis le Sacré ne tape pas. Donc niveau dégâts hauts, c'est très compliqué, donc là je finis par lui, et il y a aussi forcément Terre pour l'instant, et nu et K, c'est pas terrible. mais voilà, sinon Feu et Air, ça se passe bien. Avec le panda qui a des bons points enflammés, la fois 4 ou 5. L'Ossa qui aide un peu. Et puis côté R, forcément. Et ni hop, ça se passe très bien. Du coup, on va tuer. J'ai lancé la cape.
peu de thur. On a même le petit coffre, on peut dropper éventuellement une ambre qui pourrait coûter quelques sous, même si c'est pas forcément terrible. Le up niveau 109 côté cra, est-ce qu'on a un drop? On a la peau peut-être qui drop, qui coûte un petit peu 30 minutes. Voilà, quasiment le 2 millions. Voilà, on a le 2 millions sur le yup. Est-ce qu'on aura une petite ambre? Et évidemment que non. Un ambre d'ailleurs, je sais pas si on dit pas un ambre. Bref, du coup, bah voilà. C'est tout. Le sacré, voilà, qui prend un peu plus XP comme les autres, avec le stuff que je lui ai mis. Les quelques systèmes changés, plus le chien-chien, donc c'est bien. Ok, ok. Bon, les gars, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les clés du Tinryl que j'avais droppé, enfin obtenues sur mon tout premier Hasbulk, je les avais vendues au moment du... Attends, c'était quand? Bah, c'était la dernière fois que j'avais fait une session vente. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va plutôt aller taper les caps maintenant. J'ai du coup un Hasbulk à taper qu'on a fait en live, plus celui qu'on a fait en live, le Tinryl, plus celui-ci. Donc deux Tinryl, un Hasbulk. On va laisser taper ça et je vous montre un petit peu l'XP jusqu'à où ça nous mène, tout simplement. Bon, les amis, c'est après un combat très long, encore une fois, en arène, c'est un enfer encore plus qu'en donjon, parce que vous savez, ce qu'il y a en arène qu'il n'y a pas en donjon, c'est que les mobs sont tous collés au début. Donc ça veut dire que pendant un bon moment ils vont se coller et donc potentiellement se recompte, parce que dès qu'ils sont au cac ils peuvent se recompte totalement. Donc ça devient très vite l'enfer et donc faut gérer voilà les PM en même temps que le fait qu'ils ne se puissent pas se choper au cac entre eux quoi. Donc c'est un enfer. Je me souviens maintenant pourquoi hein, j'avais arrêté de monter mes piqûres sur Galgarian. Là j'avais un moment un projet de farmer les piqûres, les Tinryl pour pour me monter des piqûres et ouais non c'est vraiment beaucoup trop chaud. Ouais. Je suis allé check au passage avant de lancer cette capture. Le prix de l'Amptinril, c'est du 300 000 kama. C'est pas mal du tout, franchement. 300 000 kama. Donc voilà, si on la drop, on sera très content. On va valider ce combo au passage avec un collant. Donc c'était long. C'était pas spécialement plus compliqué avec collant. Maintenant, il fallait toujours rester concentré, ne pas faire de bêtises. J'aurais pu faire tout le coffre au passage, je ne l'ai pas fait, on s'en fout un petit peu, je pense. Donc on le met, et là, on va pouvoir même tuer, normalement, si tout va bien, avec Monsieur le Kra, et prendre un petit peu d'XP. Ça devrait monter, voilà, avec 80% vers plus de 3M, hein, du coup. Donc c'est pas si mal. Donc écoutez, c'est parti. Flèche ralentissante. Bon drop à nous. Niveau 110 sur le Kra, c'est bien. On a, je crois qu'il va pouvoir équiper de l'item à encore 35 minutes, vraiment. Je pense pas que je... Oh non, je vais taper le Hasbulk. Le Tinryl, je pense que je vais attendre un petit peu. Avec nos nouveaux stuff, déjà, on aura plus de dégâts, ça ira plus vite. Pas d'ambre, voilà. 3 à 4 millions sur le Yup. Est-ce qu'on aura la petite ambre? Évidemment que non. Putain, les lignes, elles sont bien, ça, là, pour un petit 80 de bonus, rip un petit peu. Donc, 2 pistils, bah super. Voilà, 3 millions en 35 minutes, c'est pas incroyable, clairement. Mais bon. Mais bon, est-ce que je peux équiper mon premier item A sur le Kra? On a ça, let's go. Et puis il restera la cape A, c'est pas très grave que je puisse pas l'équiper tout de suite. On a toujours la Kara cap, ouais, ouais, ok. Allez, bon, ouais, du coup, oula, ce que je vais faire, c'est que je vais pas directement me taper le Tinryl, genre, je crois que j'ai la flemme, là, un petit peu. Je crois que je vais plutôt aller taper le Hasbulk, qui est un peu plus sympa à faire. Bon, beaucoup plus utile, hein, déjà, le Hasbulk, là, il était en plus en haut, tranquillou, donc j'ai focus les mobs en bas, je les ai bien lavés après m'être bien boosté. J'ai décidé de le jouer feu, celui-là, d'ailleurs, donc, écoutez... Ça va tranquillou, le panda qui... Bon, là, il va avoir que 3 points de dommage. Mais bon, ça devrait suffire pour kill. Regardez les bons dégâts, l'absorption de Monsieur le Sacri. Je fais gaffe, j'ai un tel nomade, 65%. C'est pas forcément ouf, mais ça va, c'est ok. Les bons moins 1000 de Monsieur le Panda. Et ça va passer tranquillement avec Monsieur Lenny. Et son mot interdit. Si tout va bien, voilà. On est parti. Ah, j'ai pas coffré. Oh, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. On va coffrer, ça ne coûte pas grand-chose. Comme ça, je pourrais... bah ça sera les cas. Ouais, les cas devraient pouvoir tuer, on va dire. J'espère. Il y a quand même, voilà, une petite crinière à dropper sur le Moufafa. Il y en a un ou deux des Moufafa, il y en a un seul. Hein. Bon, il y a ça, on va dire que c'est déjà pas mal. Allez, du coup, on y va. C'est parti. Le top cage. Let's go. Attention, mesdames et messieurs. Et on part sur du 2 millions. Bon, c'est l'équivalent d'un Tinryl Nocha, donc c'est pas ouf, mais ça, c'est quand même cool. Voilà, des petites ressources qui valent quand même un petit peu, le bâton de Kibris doit coûter un petit peu. Bon, écoutez, voilà, 9 minutes, c'est quand même mieux en termes de temps, quoi. Les amis,
Enfin, tous les persos sont au niveau auquel ils doivent être pour équiper leur stuff que je leur ai préparé, voilà, ces deux derniers épisodes. Le Sacri, c'est le dernier qui va atteindre cet objectif du niveau 114 pour la foule A. Enfin, pas la foule AA, il y a quoi qui va manquer dans la AA, là Bah non, en fait, il a toute la AA, le Sacri, littéralement. Il a la ceinture, il a la cape, la coiffe, les bottes, la mue, la no. Et je n'oublie rien, évidemment. Voilà, donc là, les amis, un truc que j'ai fait, encore une fois, je vous ai déjà montré plein de trucs qu'on a fait. Je suis allé finir au Mulu. Au Mulu, c'est pas dégueu, franchement, l'XP. Bon, c'est pas fou, mais ça reste assez agréable. Ça change, c'est un point assez important. Hein. J'essaie de faire des trucs qui me changent un petit peu. On a les queues du Mulu qui vont permettre de gratter quelques kamas. J'en ai là 27 sur le Sacri. Il y en a un petit peu sur l'ossage, j'en avais fait un petit peu. Là, vous voyez, 3, je peux les faire. C'est pas mal. Je vais essayer de trouver un plus petit groupe. Là, vous voyez, je vous ai attendu pour finir. Il nous manque 40 000, donc ça va, 50 000 même pas. Donc je vais vous trouver un petit groupe, bon 3, allez 3 000 ou let's go dans tous les cas, c'est très rapide. Je fais ça, on fait le up ensemble avec un petit mystique. Vous allez voir que sur 3 Mulu, un petit tial mystique, l'XP devrait pas être dégueu, puis même le drop du coup. Donc c'est ok, c'est mignon. Bon voilà, une fois que je les ai autour, que je suis un petit peu boosté, regardez, ça va très vite forcément. Il y a juste qui recoint un coup, on a 5 tours là. Mettez un petit peu de temps, c'est surtout au niveau du pasteur, regardez. Il finit son tour et là, il a du mal à aller passer son tour. Mais bon, c'est pas très grave, tac, tac. Et voilà qu'on va XP up. Niveau 114, tac tac tac, 164 000 en 1 minute 26, 3 queues du Mulu, ça c'est 75 000 kamas. Normalement, on m'avait dit que c'était, on va les check, 25 000 les queues du Mulu, je crois que c'est ça. Donc oui, c'est mignon, peut-être que c'est pas ça, j'espère que c'est ça. Oui, voilà, c'est du 25 000, voire 30 000. Donc franchement, ça fait plaisir, je vais pouvoir équiper la cape AA, la coiffe et la cape, la ceinture je la mets également, et puis l'anneau qu'on va remplacer, enfin qui va prendre la place de l'alliance Silimel. Du coup on arrive sur un stuff à 276 sagesse, vous voyez ça ne bouge pas pour moi, sauf que maintenant bah, on a 2600 vita, d'ailleurs je peux rajouter un petit peu, on a également 334 de chance, c'est bien 213 pp, je vais d'ailleurs plus souvent, maintenant voilà le chien c'était cool, mais on va plus souvent être sur la dinde. Du coup, ça me fait 293 pp. C'est cool. Quelque chose qu'on va pouvoir faire maintenant, les gars, c'est vendre tous nos stuff. Les objets je vends. Et pas les objets je vends. On va les mettre de côté. On va un petit peu s'amuser à voir nos stuff. Voilà, les petites... regardez, c'est mignon. La hache sur le Sacri. Voilà, bientôt il y aura les solos sur les persos air et même terre, donc ça va être très mignon aussi. Il y a le Falen, vous l'avez pas encore vu sur l'Ossa. Bref, du coup, bah écoutez, tout est bon. Je vais me rendre du côté de l'objectif final hein, du Skunk pour aller chercher les petits Calyptus. J'espère que ça va bien se passer. Maintenant qu'on a tout le monde qui est ready, ça devrait bien se passer dans tous les cas. Puis voilà, ces stuff-là, on s'en occupera la prochaine fois. Prochain épisode, je vous le dis direct, ça sera du drop till, ça sera la vente déjà des stuff. On va monter en cam, on va se faire plaisir. On va tester différents trucs, on va commencer à faire du drop. Bref, ça, on le verra du coup la prochaine fois évidemment. Donc direction le Skunk, c'est parti. Je n'ai pas le zap d'ailleurs, donc ouais, il faut d'abord que je co toute la team, ça sera mieux. Et voilà, nous y sommes, le Skunk avec ses potes Rubies, Emerald, Diamantine, Saphira et la poupée affamée qu'on devrait pouvoir assez bien gérer. On y va directement. J'ai mis la pierre sur Monsieur Lenny pour gérer ça comme il faut, enfin pour capturer. Juste pour capturer. Pour gérer ça, en fait, j'étais déjà en train de me dire, il faut que je remette les dindes, tout ça. Je me suis fait le donjon hier soir, tranquillou. Aujourd'hui, on est le lundi, le jour de la sortie de la vidéo. Donc, comme prévu, hein, la vidéo a eu du retard, les gars, mais c'était un peu obligatoire. Alors, je vois la diamantine qui est là. J'étais en mode, est-ce que ça peut être dangereux par rapport à la poupée qui tue, la poupée mortelle. On va espérer qu'elle me mette pas la poupée sur un... perso, ok c'est bon. J'ai eu peur quand même. Ok donc 120 HP. Du coup ouais, la poupée affamée qui est ici. Donc l'objectif là pour moi ça va être de la ramener. Et on a beaucoup d'invo pour faire ça, hein, pour la tuer tranquillou. Donc ça devrait aller. On va tuer la poupée que la mortelle avec les nus d'une massacrante. Même si j'ai pas encore pu monter la massacrante. Donc là quelque chose que je peux faire les gars, regardez. J'avais constaté que la poupée... attends, je peux... oula, ça va être tout... je sais pas si elle a le tonneau à la PO là. Oui c'est bon. Ok, il va pouvoir, enfin la poupée va pouvoir aller tuer le tonneau, c'est parfait, manger le tonneau. Et donc ouais, on va se rapprocher un peu de tout ce beau monde pour lui donner les invos tout simplement. L'épée elle va aller sur qui là, j'ai un petit doute sur ça. Bon je sais pas, on va la mettre.
Faut que je fasse gaffe à Rubies. Alors l'avantage c'est que j'ai quand même Lenny pour debuff. J'ai aussi Lenny pour debuff. Donc on a deux possibilités de debuff au cas où on se fait totémiser. Voilà, pour ceux qui n'ont plus trop le skunk et son fonctionnement en tête, les poupées là. Le danger ça va surtout être de voilà, bien gérer la Rubies qui est assez chiante. Et puis juste voilà, en ce début de combat, gérer tranquillou les invoques pour nourrir la poupée affamée, et ensuite il n'y aura plus qu'à, ça va, c'est du 6000 HP. Du coup, bah, j'ai fait le donjon tranquillou avec le full stuff, et les gars, bah, ça devient très intéressant. Voilà, les dégâts sont très cool. J'ai aussi pu débloquer, du coup, comme prévu. Au passage, les challenges, je les ai vus, on s'en fout un petit peu, petite roulette, ok, je joue avec le feu, évidemment. Bon, ça sert à rien d'essayer de tuer, je vais juste avancer, bien sûr, je suis en pesanteur. Je vais quand même au dos, ouais, juste pour deux, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, j'y vais comme ça, tac, tac, tac. Et donc là, ouais, qu'est-ce que je voulais dire, bah, les dégâts, c'est très cool. L'Ossa avec son marteau et bah, va bien bien servir, parce que bah, j'ai vu des coups de marteau à 3 PA, le marteau qui est vraiment très cool, qui soigne jusqu'à 500, j'ai vu. Donc beaucoup trop cool ça. Ça devrait assez bien se passer à ce niveau là. Je vais gérer le retrait PM avec le Kra le temps que le combat démarre. On va lancer. Alors l'Expia, ça aurait été bien de la mettre sur un board qui se TP et qui est très chiante. Je pense que je vais la garder en vrai. On va se booster. Oh non, ça sert à rien de se booster. On va aller au moins comme ça. Bref, du coup, voilà, je vais vous montrer plusieurs étapes du combat, en espérant que ça se passe bien, mais ça devrait bien se passer. On a les persos qui sont solides, à part là que Lenny s'est fait choper, justement. Et là, bah, du coup, Lenny, il va falloir qu'il aille vite fait sauver les Lenny. Tenez, regardez, alors Lenny, je l'ai toujours pas débloqué, mais bon, on s'en fout, il est en train de tanker tranquillement la rubise et il l'attaque, donc à la limite, tant mieux. Regardez les coups de cac, alors c'est assez aléatoire, je vais vous remontrer donc ce magnifique marteau qui ne peut être utilisé que par les Ossa et les Xelor. Et donc, bah, c'est 1 à 80, donc c'est pas mal aléatoire le soin, mais j'ai jamais trop été déçu. Regardez, 166, bon là, c'est pas un gros jet, 100, c'est pas un gros jet non plus. Bon, bah, ok, bon là, c'était vraiment pas ouf pour être très honnête, mais ouais, sinon c'est bien, et c'est en zone et tout. C'est vraiment un avantage, mais là vraiment on n'a pas de chance. Je vous promets que en moyenne je vois souvent du 200 plus, 250 ou quoi. Donc ouais, bon, c'était long, je suis au tour 5 et je vais pouvoir booster la poupée affamée avec la Pikmot pour lui donner 3 PA et qu'elle atteigne enfin c'est du coup bah 14 pour pouvoir exploser. Ça j'aime vraiment pas la diamantine au milieu, aïe aïe aïe, j'ai peur de ça. Ça va bien se passer, allez, ça va bien se passer. Oh là là, regardez les gars, guide de bravoure plus 20 dommages. Oh, oh, je savais pas. Alors j'avais vu, et ça j'ai monté, d'ailleurs bah, y a plusieurs sorts que j'ai pu monter niveau 6 qui régale. Il y a guide de bravoure niveau 6 qui permet d'éviter d'avoir 1 à 6. Parce que le 1 c'est gigatrice quand on proc 1, là c'est au moins 5, donc c'est déjà pas mal. Et en plus en crit c'est 20, mais c'est incroyable, 20 dommages les gars. Oh, oh comme c'est trop bien, incroyable. Insane de ouf en vrai. 20 dommages et ça dure, c'est deux, bon c'est deux tours, c'est pas énorme, mais en vrai c'est propre, hein. C'est propre, c'est propre. Let's go. Ok. Ok, ok, alors, oh non, le sacri. Oh non, 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 c'était sûr les gars, c'était sûr. Bon bah tant pis. Alors le sacri c'était pas le, hein, voilà, si on pouvait éviter le sacri c'était cool. Bon tant pis, de toute façon là je vais bien la focus diamantine. Bon là vous voyez, on va commencer à prendre des HP, mais c'est pas grave, on a le soin qu'il faut de toute façon. Ah c'est madame, monsieur Lossa. J'aurais pu mettre en zone marteau comme ça, bah regardez, hop. Panda il a besoin de soins, et nous aussi, regardez. Bon, de toute façon vous avez compris, vous savez ce que c'est une zone marteau. Mais ouais, ouais, ça va être cool, regardez, la giga zone marteau, c'est parti. Hop. Regardez, 295, c'est énorme, en vrai c'est assez fou, hein. Tout le monde est full, tout le monde est full. Donc écoutez, hop, après on boost tout le monde. Lossa, franchement, il me régale, Lossa. C'est un des persos aussi qui me fait très plaisir dans cette team. Un soutien comme ça, qui a des bons dégâts, qui peut se permettre de taper. Bon là, du coup, focus diamantine, faut juste que je fasse gaffe au skunk. On va essayer de le dégager tout de suite avec Monsieur le Panda. Du coup, je me debuff mes boosts, c'est pas très grave. C'est le problème à chaque fois de du Panda. Est-ce que je dégage aussi la Rubis, quitte à sacrifier un peu le Panda? Je pense que oui, on va le faire. Il va se la manger, la rubis, le panda, mais c'est pas très grave. J'ai trop peur de la poupée. Ah, non! Les gars, c'est terrible! C'est le drame, là, hein, c'est... Poupée mortelle. Le problème, c'est que, ouais, la diamantine, forcément, il y a Eka et Nu qui peuvent pas taper. Sachant que j'ai déjà perdu le sacri. J'en préférerais perdre les nus plutôt ou les K quoi, mais ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, je peux tuer ça. Je vais bloquer Skunk avec les nids. Diamantine A+. Ok, et on va go... Bah, moi, je peux pas.
Rogue au Skunk à 2, je crois. Hein. Ok. Bon, les gars, j'ai tué Diamantine. Du coup, on va ce que je vais faire, vu les raises, là, je vais focus Emerald. Mais vu les raises, les persos R vont prendre tranquillement Skunk de 2 dans le coin, là, littéralement. Et les autres vont focus Emerald parce que bah, Emerald TP est celle qui fout un peu la merde. Donc, je veux surtout pas la laisser plus longtemps que ça. Allez, 200 HP. Passe, Skunk. Passe. Tu es un homme mort. Non. Oh là là. Il détaque les lignes, les gars, c'est-à-dire qu'à tout moment, il arrivait, il faisait le tour et lui lâchait une recon. Oh, oh là 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 là, misère. Heureusement qu'elle n'a pas voulu tenter ça. Hein. Ok. Ah, Saphir, elle sert vraiment à rien. Par contre, j'ai toujours Rubis au milieu, il va falloir que je fasse quelque chose. Je pense que là, je préfère dégager Rubis, non? Enfin, Corrupt Rubis, Leka va se démerder pour tuer Emerald, on va dire. Allez, on va dire ça comme ça. Hop là, allez, voilà, voilà, parfait, ok, let's go, allez les gars, vas-y, ouais, t'échec, parfait, 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 les gars, parfait, allez, pas d'échec, coup de cac, tac, let's go, ok, bon, bonne étape de fête, les gars, Saphira, ça sera la last, hein, s'en fout totalement de Saphira. Ouïouïouï. Et vous savez quoi, pour le plaisir, on se tente une roulette. C'est pas possible. C'est pas possible. Vas-y, pourquoi je me tente des... Je me fais plaisir. Pourquoi j'essaye, les gars. Je fais une roulette du combat, c'est une passe-tour pour moi. C'est bon. Aïe, 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 aïe. Quel troll, ce jeu. Quel troll. Ok, vas-y, elle s'est bien mise. Ok, vas-y, je vais prendre la déj, là. Oh, elle passe sur deux mecs. Trois mecs. Quoi? Trois mecs. Elle a passe tour trois mecs. Et pas les plus nuls. Putain, mais elle est sérieuse, elle. Oh, mais j'ai l'aise spirituel, les gars. Mais je suis con, je viens de me rappeler que j'ai l'aise. Et l'aise, ça réinvoque qui? Ça réinvoque le panda, qui va jouer juste après, qui va pouvoir la tèche. Oh là là. Oh, mais c'est incroyable, là. Regardez, regardez. En plus, ah par contre, je sais pas s'il joue direct, j'ai un petit doute sur ça. Bon, dans tous les cas, s'il joue, c'est parfait parce que je vais... Alors, je vais mettre un coup de cac ici. Mais du coup, vu que j'ai déplacement, je peux la porter... Oh, c'est bon. Oh là là, non mais... Oh, c'est incroyable. Je suis sûr qu'il y en a qui étaient en train de me dire dans les commentaires, ouais, pourquoi t'as pas l'air spirituel et tout. Oh là là, merci l'Ossa. L'Ossa qui gère tout en fait. Sans l'Ossa, là le combat il est mort, j'ai pas de soin, j'ai rien. Bon là, attends, on va pas prendre trop la confiance non plus. Allez, la recon, nickel. Bon, on va vraiment focus Skunk de toute façon là. Les gars, j'ai une blague. Imaginez que là, Skunk recon. Juste imaginez. Alors qu'on arrive au bout et que là, ce tour-ci, je kill enfin, peut-être. C'est une blague, hein. Non mais les gars, je précise, c'est une blague, ça ne va pas se passer. N'est-ce pas? Oui. Allez, viens. Viens. C'est bon, elle passe. Elle passe. Ok, let's go. Il ou elle passe d'ailleurs. Je sais pas. Il, peut-être. Il. Bref, ça passe, les gars. Mais bien sûr que ça passe. Mais bien sûr. Ok, on tue enfin Skunk. 28 tours de combat, salut. Ok les gars, on va tuer Rubis, oui. Tu m'as saoulé, dégage. Je veux plus t'entendre. Bon, il n'y a plus qu'à trouver Saphira qui est cachée. Je vais pouvoir capturer, on va coffrer, on va espérer qu'on va avoir la petite peau de Skunk, hein, même si c'est pas vraiment ce à quoi je pense actuellement. Je pense plutôt au Calyptus qu'on va avoir en espérant voilà, avoir des bons petits jets. Est-ce qu'on va réussir à refaire le même truc que sur Rogue Mazer à l'époque avec la double obtention Calyptus Kawot qui était assez folle avec des jets incroyables sur les deux là. On va voir ce que ça va donner. Bon bah les gars, je vous laisse assister au dernier dégât là, infligé sur Saphira pour aller chercher le kill final. J'ai très très peur, je commence à avoir la pression là des Calyptus en vrai. Parce que bon, forcément du coup c'est beaucoup de temps là, je vois un petit 1 heure de rake les gars. Je suis à 1 heure de combat. C'est vite fait long.
Après, pour ma défense, je pense que j'ai pas été très chanceux sur les poupées. Je sais pas, mais je pourrais faire mieux, quoi. C'est ce que je veux dire surtout. C'est que je pense que je pourrais faire mieux et j'en parle, hein, que je pourrais refaire mieux parce que je pense que je vais refaire de toute façon des captures assez vite. Genre dès la semaine prochaine, dès que j'ai les trousseaux, je pense qu'on se fera ça sûrement en live ou quoi. Donc n'hésitez pas. Donc voilà. On est parti, les amis, pour le kill final. J'ai lancé la capture. Let's go. Niveau 115, est-ce que l'XP est cool? On s'en fout, hein, mais... 1h08, let's go! Oh oui, l'XP est incroyable! Ah oui, c'est quand même sympa, l'XP, par rapport au niveau du groupe, franchement, c'est mignon. On a la capture qui passe, on n'a pas de drop intéressant, ok. Bon, ouh, j'ai très peur! Oh là là là! La pression. Niveau 112, on a des ups qui continuent de se faire. Niveau 114, c'est qui là? C'est l'Eka. On s'en fout de l'Eka. On s'en fout. Enfin, il n'y a pas besoin. Il y a juste l'Enu là qui manque encore la cape AA à équiper. Sinon, tout le monde a tous ses stuff. Hein. Voilà. Le principal est vraiment, ça a été essentiel pour ce combat, c'était l'Ossa avec sa coiffe et en particulier son marteau. Parce que sinon, j'aurais pas géré sans le heal que j'ai pu avoir. Du coup, je vais cliquer. C'est parti. Et on laisse la musique revenir. La petite musique. Montagne Koala, si douce, si mignonne. Alors attendez, on va faire un truc. Voilà, j'ai monté la musique. On va repasser en qualité sympa sur tout le monde pour apprécier. Parce que là, bah, quand on rentre dans ces zones-là, bon, qualité basse, j'y reste de toute façon pour les déplacements, sinon ça lagouille. Par contre, ouais, on arrive en transparence avec la grille affichée et tout pour pas faire de bêtises. Du coup. Oh, la petite pression. La petite pression pour notre premier calyptus de l'aventure. C'est parti. Monsieur le panda. Oh là là. Oh, le beau début. Alors, on rappelle que ça a de 6 à 30. Hein. Ok. 11. 21. Ok. Bon, pas ouf, hein, le start. 18. Oh là là, la run nulle. Ah, oh, là on discute. Là on discute, les amis. Avec derrière, allez, un petit 26, 27, 28, un truc comme ça. Voilà, un truc cool. Ça fera une main sympa. Bon, un plus 30, c'est cool. Hein. Ça vaut beaucoup, un plus 30 par rapport à un plus 28, 29. Même si je compte pas les revendre, ça fait plaisir d'avoir du 30. Et ça fait déjà de cette run une belle run, en vrai. Maintenant, on espère voilà, valider des bons jets derrière. Comme je vous ai dit, on en refera pour améliorer la moyenne, enfin les jets minimum de la team. 27, voilà les gars. Ça partait mal. Ça a l'air de bien finir. 26, voilà. Attends, non, est-ce que j'ai pas dit il y a 2 secondes? Après ce petit 30, un 26, 27, 28. Si là il y a un 28 sur le dernier perso qui est l'Ossa, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. 10, ok. Bon, c'est pas très grave, mais ça reste quand même très cool. J'ai calculé la moyenne pour vous dire un peu ce que ça vaut. Alors attention, reveal 170 en tout pour une moyenne de 21,25, ce qui est très honnête. 21,25 de moyenne sur ces calyptus sur 30. La moyenne est ça, du coup, vu qu'il y a un écart de 24, 6 plus 12, ça fait 18 de la moyenne normalement. Et on a 21,25, donc c'est très très honnête. C'est cool, on est content et c'est sur ça du coup qu'on va terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, voilà, ça a pris beaucoup de temps sur la préparation pour aller chercher les level up. Mais voilà, on a désormais les 4 views, on va pouvoir continuer sur plein de nouvelles choses. Alors il n'y aura pas de stream ce soir parce que je suis pas disponible, mais je pense dès demain, nouveau stream avec la team justement. On verra un petit peu ce qu'on pourra faire. Il y a encore beaucoup de drop à faire pour améliorer les stuff, du drop rare, il y aura du farm, blablabla. Et là en particulier, voilà, on verra ce qu'on fera, mais comme je vous en ai déjà parlé un petit peu plus tôt, il y aura du drop, on va s'occuper des camas, je vais vendre un peu tous ces stuff, ça va être très cool, ça va bien nous remonter en dessous. Il y a aussi un joli bilan de ressources à faire parce que j'ai tellement farmé que j'ai dans différentes zones que j'ai un peu des ressources de tout à vendre, donc des clés, de tout. Donc de quoi récupérer plein de sous, on verra ça dans le prochain épisode. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker un maximum comme d'habitude, ça fait très plaisir, merci beaucoup pour les soutiens sur la team. On arrive, je pense, en plus avec cette vidéo, 20 000 abonnés. Donc merci à tous, on en reparlera bientôt. Il y aura des petites nouveautés, des concours, tout ça. N'hésitez pas à join le Discord comme d'habitude pour avoir des petits trucs comme ça, des infos sur les streams, etc. Et puis voilà, merci à tous. Ciao tout le monde.